Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19e épisode. Que le temps passe vite. C'est quoi Ouais, le délire avec je suis affiches? chanteur. Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Eh. Mais c'est le parc des expos, là, non? Attends. On va aller à l'extérieur voir le nom. Seattle Conference Center. Ouais. Ouais, c'est là où il y a la PAX, il me semble. Trop stylé. Trop stylé que ça s'inscrive dans un contexte aussi réaliste. Oh. Toi. T'as pas trop grandi, hein. C'est peut-être l'arbre le moins crédible. Dans le sens où, genre, ça en est passé du temps depuis que la civilisation, entre guillemets, s'est écroulée. Ils ont dû le planter tout bébé, hein. Tout petit bébé. Ce qui est cool, c'est que là, on n'a pas trop de phases de gunfight. Je vous avoue que même dans les Uncharted et tout, c'est ce qui me plaisait le moins. D'autant plus que Uncharted, c'est vraiment de l'aventure pure dans... Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je sais plus. Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Mais tu sais très bien qu'elle va le garder. T'es sûrement un de ses meilleurs amis. On se connaît tous les trois depuis pas mal de temps. J'ai une petite bouteille ici. T'imagines, ce serait con, genre... Dina, ça a pas l'air d'être le genre de personne... Qui rejette son enfant, tu vois. D'autant plus qu'elle connaît l'histoire de Ellie. Ellie a connu sa mère ou pas? J'ai des doutes là-dessus. On aurait pu passer par là. Pas grand intérêt. Ok. Mon ami Jessie. Oh! Est-ce que ce serait... Elle ressemble vraiment à la moto de Deacon. Deacon St. John. De Days Gone. Je pense que c'est un petit clin d'œil. Enfin, un clin d'œil pas discret du tout. Et vu qu'on va changer de zone, on va faire bien gaffe d'avoir pas laissé quelque chose d'important. Ah, attends. Dans le truc à journaux, il n'y en avait pas avant. Ok, je pensais qu'on aurait pu le ramasser pour noter quelque chose dans notre petit carnet. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Ouais. Et merde. Va falloir y aller à la nage. C'est a head of a mess, hein. C'est un gros bordel ici. Hein. Et hop. J'espère qu'il y a de la profondeur pour les genoux, sinon c'est mal barré. Alors, on va kiffer. Est-ce que c'est bien fait? Trop bien. Vous avez vu, il y a même le petit détail quand elle finit sa brasse. Ça fait des petits trucs sur les côtés, là. Quel souci du détail. C'est magnifique. Il y a un chemin ici. Peut-être qu'on peut fouiller. Je sais pas où passer. On va où maintenant? Tu me croirais si je te disais que j'en ai aucune idée. Mais alors quel est l'intérêt de venir ici? Il n'y a pas d'easter eggs? Non. Bah écoute, mon meilleur pote. Ah, peut-être là. Mon meilleur pote, on peut passer ici si ça te fait plaisir. Et si tu me permets de te guider, on ira plus loin. Ok. Let's see how many they are. Rodeur, allez ici. Ok, on a un claqueur juste dans le coin. On a des rôdeurs qui ont l'air pas mal excités.
Ce que je vous propose, regardez bien, ça va aller très très vite. Non, attends, on va préparer le terrain. Je vous propose ça. Il y a quelqu'un qui chante. Non ? C'est peut-être dans ma musique, hein. Enfin, dans ma musique. Dans le jeu directement, la musique. Je suis repéré ? Regardez, on va faire ça. Et on va se planquer. En attendant que ça vienne. Vas-y. Ok. Et maintenant ? Voyons voir s'il reste quelqu'un. Il y a quelque chose qui bouge là. Non, c'est juste de l'environnement. Ok, il ne reste plus que les petits casse-couilles là. À côté, on va se les faire. J'ai l'impression quand même qu'on a gâché deux trucs. Enfin, qu'on en a gâché un. Et que de toute façon... De toute façon, on pouvait en utiliser un seul. Ça c'est fait. J'imagine qu'on en a d'autres. J'entends plus rien. Les derniers. Bon. Ouais. J'ai l'impression. Je peux vous présager. Du haut de ma longue barbe, qu'on va pas avoir une récompense incroyable. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Donc, à mon avis, on va se taper juste des petits engrenages. Tiens, tiens. Fais voir un peu. Elle a une arme qui brille. Cette personne. Il y a du loot. On n'est peut-être pas venu pour rien. Au moins. Ah, si, j'ai gâché une cartouche. Enfin, j'ai utilisé, j'ai pas gâché, attends. Faut que j'arrête de dire gâché, hein. Parfois, c'est utile. Alors, une bouteille, une petite taibou, là. Quelqu'un a soif, ça peut s'arranger. Il y en a d'autres. Ça a l'air d'être que des claqueurs. Non. Il y en a d'autres. Putain, tu fais chier toi aussi. Voilà. Ça c'est les décals comme on aime. Là putain, je retrouve mon niveau de visée. Ok. Ça fait plaisir. Cette fois, c'est fini. Houhou. C'était cool, non? On dirait que c'est une impasse. Ouais. Je crois que t'as raison. Mais il est où le... Ah, il est là. J'allais dire, il est où le corps avec l'arme? Fais voir un peu. À la peau... À quoi? À la pauvre poire qui me trouvera. Les mains qui tremblent. Sache. Je me suis fait attaquer en allant relever Misha au poste de surveillance du monorail. Un scar. J'aurais juré que c'était le bon vieux gré. Merde. J'en ai la tête qui tourne encore. Rendez-moi un service et abattez ce fils de pute. J'ai dit à Mitch que je suis désolé. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Jensen. So you're Jensen? You fucking piece of shit, Jensen. On va prendre la machette. J'adore les machettes. On peut même l'améliorer. Que demande le peuple? L'opium du peuple, c'est le rire. Et non, pas du tout. Bon alors, on peut se barrer tranquillement. Je dirais pas que ça valait le coup. J'irai pas jusque là, tu vois. Mais c'était sympathique, mine de rien. Allez. On avance. Allez, mon avis, à l'aquarium. Je déteste ces putains d'enfoirés. Ouais, m'en parle pas. J'aurais pu te mettre un vent. J'espère que t'en es conscient. À mon avis, à l'aquarium, ça va partir en cacahuète. Mais plus vite qu'on ne le pense. Et pourtant, on est préparé parce que je vous ai prévenu. Hein. Par ici.
Ok. Attends, non, je veux faire une glissade. Je te suis. Bah, suis-moi, viens, on fait une glissade. Regarde ça. Trop bien. J'adore les glissades. Je l'ai déjà dit ? Non ? Bah, maintenant, vous le savez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? Faut être assez agile, mine de rien, pour survivre. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'obèses. Sans vouloir vous vexer, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'obèses qui survivent dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tu crois que tu peux te glisser là ? On va voir. Ah merde, c'est la suite de l'histoire. Ah non, je voulais encore fouiller. Dis donc. Jessie, t'avais les fesses dures. J'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. Merci. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon ? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi ? T'aimes pas les Asiates ? Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Et ça amuse, hein. Tordu, montrer ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ouais, d'accord. Je me disais, mais de quoi il parle ? C'est juste un arbre. T'avais un livre préféré quand t'étais petite ? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre... Des fantômes ? Des fantômes extraterrestres. Ok. Ah, c'est Pikachu. Ouais. Ça m'étonne pas de toi. Ok, je vous laisse mettre les pauses, comme d'habitude. Hein. Ok. Et toi, alors, hein ? Ma mère avait qu'un seul livre pour enfants. L'enfant racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. Ah, je la connais. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait des cauchemars. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais. Elle est super, ma mère. Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais. Je vais bien te croire. On dirait encore des teenagers, tu sais, qu'on pourrait retrouver dans des séries sur Netflix, là. Genre, je vis encore chez mes parents, j'ai pas remboursé mon prêt étudiant. C'est ça que je voulais ramasser, moi, à la base. Mais tu fais comme tu veux. Je suis pas là pour te juger, Ellie. Ok, on a de l'alcool. Bon. Bah, on ramasse pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas un petit manuel pour se confectionner des améliorations avec avec les stimulants. Il doit y avoir quelque chose là-dessous, non ? Ah, voilà. Je vous connais, moi. Tanager pas la solution, l'eau. Merde, oh là là, je fais n'importe quoi dans les menus. Où est-ce qu'on trouve les cartes ? J'ai pas l'impression... Mais non, arrête, j'ai pas appuyé là-dessus. J'ai pas l'impression que je puisse revoir les cartes, si ce n'est au moment où je les ramasse. Ouais. Mais on va où maintenant ? Ici, tu peux me faire la courte, tu penses ? Faut trouver un moyen de monter. C'est par là. Ouais, je vous disais, c'est vraiment en mode... Ça m'a fait un petit peu sourire, gentiment. Le fait genre... putain, j'espère qu'elle est pas au courant pour le bébé. Sinon, ma mère va trop m'engueuler, quoi. C'est gentil. C'est gentil. Bordel. Il s'est passé quoi, ici ? Ces types peuvent vraiment pas se saquer, on dirait. Je crois que ça remonte à plusieurs années. Je me demande comment ça a commencé. Ouais, tu sais. Les histoires de vengeance, hein. Ça finit jamais bien. Ça finit jamais bien.
Bon alors, qu'est-ce que c'est que cette librairie où je peux rien ramasser? Oh, ok. Wow. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. Ça, c'est des petits séraphites. Je pense qu'on a tout fouillé. Si je m'amuse. Ça m'a l'air d'être bon. Ah! Pas du tout! En fait, tout était sur le truc central. Ok. J'aurais pu passer à côté. Voyons voir ce qu'on a ici. Il y a forcément des trucs derrière. Pensez qu'il y a des joueurs qui pensent jamais à faire demi-tour pour fouiller. Ça me rendrait ouf, moi. Genre, regarder un let's play de quelqu'un qui fouille pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une clé à molette. Non, attends. C'est ça que je veux, moi. Eh oui. Pas de piège avec moi. Ok. Attendez. Je suis désolé pour le bruit dans le micro. Ça me grattait les yeux. Enfin, l'œil. Ok. Bah, on peut y aller. Et on est où, du coup? Ouais. Attends, mais on a fait quel chemin? Pas par là. Par ici. Ah, on est rentré là. Pour atteindre la grande roue. Faire une croche? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, c'est quand tu tournes trois fois à droite autour d'un pâté de maison au lieu de tourner directement à gauche. Ok. Va pour faire une croche, alors. Appelez ! Merde ! On l'a eu ! Regardez s'il reste des survivants ! Évidemment, c'était trop beau pour durer. Eh bah écoutez. C'est du bon boulot, ça. On attend plus que l'unité Bravo. Je suis prêt, moi. C'est du sérieux, cette tempête. Putain, j'ai plus de balles. Ça doit pas être facile de naviguer par ce temps. Peut-être. Mais moi, je compte bien être le premier à débarquer. T'inquiète. Il y en aura assez pour tout le monde. Ils sont proches, là, non? En fait, c'est très étrange. Des fois, je les entends hyper proches de moi. Oh, putain, il y a un chien. Écoutez, ce que je peux vous proposer... Je le vois pas. Ah bah, tu te l'es pris toi aussi. Bouge-toi! Où est le chien? Ah merde! Je t'ai trop esquivé, mon frère. Ok. On est juste au niveau balle, là. Pour pas dire dans la merde. Il avait tout prévu. Il a prévu le croche. Attends, par contre, là, tu te le prends pas. On va devoir faire un truc. Parfait. Merde. Ah, putain. Bien joué. T'as été meilleur que moi là-dessus. Tiens, vas-y, viens. Ok. J'en vois un. Ah, par contre, j'ai plus que ça. C'est pas ouf, hein. T'as des balles sur toi? Non. On va laisser venir à nous. Oh merde. Ok. Je le vois pas. Si. Il est là. Ok, donc faut vraiment être dans des très hautes herbes pour pas se faire repérer. Non, c'est bon. Où est l'autre? Il était sur ma droite. C'est ça là, c'est ce truc en face? Attendez. Mais il est où? Ah putain, en l'air! Mais non. Il est là. Ouais, dans le bâtiment. Ah si, ok. C'est bon, je l'ai vu. Et mon pote là-bas.
Mon pote le DJ, t'es où? On a du nouveau, les gars. Là, ici. De ce côté. RAS de ce côté non plus. Ok, c'est chaud. On va essayer de l'avoir discrètement. On est bientôt plus à couvert du tout. Allez. Allez. Fouh. Je m'étais gouré de touche. J'appuie sur R1 au lieu de R2. Ok. Ça fait plaisir quand on peut au moins avoir une élimination silencieuse. J'avoue que ça me fait bien plaisir. Ah, y'a toi là, hein. Ouais, sale bête. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Parce qu'il y a le mec qui est en haut. Le mec pas très drôle en soirée, là. On peut faire ça. C'est cool, il y a plein de chemins. Quelqu'un les a repérés? Je vois personne. Ils sont encore 3 minimum. Il y a lui là-haut, ça va être la merde. J'hésite. J'hésite parce que ça peut partir en couille très très vite. Tiens toi. Ok, ça va les attirer. Forcément. Rapprochez-vous. Attends, mais comment tu peux savoir où je suis? Mais putain. Voilà. Ça c'est bon. Et là on est bien. Je suis trop con, à chaque fois j'appuie sur R1 au lieu de R2. Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. C'est clair. Jackson, c'est trop bien, mon pote. Mais Seattle, c'est bien aussi. C'est juste qu'il y a des putains d'enfoirés qui ont pris le contrôle. Mais Jackson, c'est vrai que... Au niveau prospérité, on peut pas cracher dessus, quoi. C'est quand même bien qualitatif, Jackson. Bon, en même temps... En même temps, les mecs ont des murs et tout. Hein. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux essayer de répliquer à ça? Bon. J'imagine qu'on peut passer par là. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était un mec ici. Je crois que c'était un immense séraphite comme celui qui nous avait mis dans le dur dans l'épisode 17 là. Mais au final, non. Alors... Oh, c'est sympa ici. C'est quoi? D'accord, c'est un atelier de couture en fait. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette pièce. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Molotov, flèche. Deux petites flèches. Comme ça on sera full. Mode écoute, déplacement. Là on a quoi? Et là, élimination rapide furtive. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que souvent, elle met pas mal de temps. Ah, trophée spécialiste. J'imagine que c'est pour avoir fait toutes les améliorations dans une catégorie. Et c'est bon. Ah, une petite note. Fais-moi voir. Encore Jules, ça faisait longtemps. Hé, hey Jules, toujours là? Si tu te dépêches, tu devrais pouvoir nous rejoindre à un prochain point de rendez-vous. Zachary! Je sais pas si c'est censé faire ce chemin. Ok, c'est Gray. Donc en fait, Gray, si on a bien écouté tout depuis cet épisode-là, Gray était un wolf qui ensuite
est devenu comment on appelle ça, Séraphite. De ce que j'ai compris, c'est ça. Ou à moins que ce soit l'inverse. Mais ce qui m'étonnerait très très fortement, genre le mec, tu passerais d'une secte à un front de libération. J'en doute. Alors, on peut encore se crafter. Non, je vais garder. Je vais garder parce que je le sens pas. Ouais. Ouais, je vais garder. Il me reste quand même assez de molotov. Oh, écoutez ça. Ça tombe sur du fer et ça fait le bruit de l'eau qui tombe sur du fer. Ils ont pensé à tout, putain. Ils sont trop forts. Allez. On a bien mangé le sol. Ce qui serait cool, j'ai vu qu'il y avait des cinématiques. Enfin, pas des cinématiques. Un trailer où on conduit, on manipule un bateau. À toi, Jesse, tu préfères. Ok. Ouais, de toute façon, on y revient. Hein. Non, on peut rien fouiller là-dedans. Et ici? Ouais, bonne idée. Je me demande si j'étais resté plus longtemps sous l'eau. Ouais, bah c'est sûr qu'elle aurait attendu pour donner sa réponse. Elle aurait pas fait « Oh, bonne idée !» Aïe, aïe, aïe. On s'amuse avec peu de choses, hein, mine de rien. Anniversary seal. Et ouais. Et ouais, ouais. Le monde s'est arrêté si brusquement. Je suis sûr qu'Abby a choisi l'aquarium exprès parce que c'est chiant d'y accéder. Peut-être. Non. Ah, ici. Putain, mais je suis con. Je suis con, la tôle était affaissée exprès. Ouais. Ça, j'aime. Petite barre chocolatée, là, qui fait bien plaisir au moral. Ok. Putain. Comment on va faire pour traverser? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Viens. Par là. Eh bah tiens, quand on parlait du loup... On va devoir leur faire en mode embuscade, je pense. Hein. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? C'est possible. Au but de ces types, on leur fauche leur bateau. Bah ouais. On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. Donc Ellie est pas contre laisser des gens en vie. C'est pas totalement un monstre. Tu vois, moi je pensais que sa vengeance serait plus terrible. Sans faire le ricain. Je m'attendais à quelque chose de... Oh, tu vois, d'animal, de bestial. Pour l'instant, c'est pas le cas, en tout cas. On a pas mal de choses. C'est souvent dans les cafés qu'il y a des trucs à ramasser. C'est pas pour me déplaire. J'arrive. Ici. Ça, c'est bien. On est full. Allez pour le beau jeu. Non, parce que je sais que ça vous attristait. Ça vous attristait de voir des objets non utilisés. Un silencieux, non? Ah non, même pas. J'aime bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait tellement de dégâts en plus. J'ai pas amélioré encore. Mais crois-moi que ça fait bien le café. J'ai cru entendre quelqu'un. Tu viens, Jesse? Attends. C'est cool, c'est hyper discret. Vas-y, c'est bon. Bon. Soit les mecs en face sont sourds, soit on est les boss. Ah, je...
Je pencherai pour la deuxième possibilité. T'es où? Oh! Bah t'es là. On peut pas nager plus vite. Il me semble. Tu veux un coup de main? Non, c'est bon. Sniper repéré secteur plus. Je répète, sniper repéré à la marina. Sur moi un intrus. À toutes les unités au rapport. Merde. Au 4, direction la marina, par le pont. Nous, on reste ici, en attendant les ordres. Quoi? On est censé attendre ici pendant que des gars à nous se font descendre? Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser. Pensez que je peux attaquer? Sniper. Non, je peux pas. J'ai essayé de sortir une arme. Je n'avais pas la possibilité. En hauteur. Essaye de pas mourir. Ce serait cool. Bon, je fais quoi en attendant, moi? Non mais, ils sont aveugles. C'est pas possible sinon. C'est pas possible, les mecs. Accéder à la marina par là. Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on n'a si qu'à suivre. Et si jamais il est dans la merde? Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. Mais qu'auriez-vous fait à sa place? C'est bon, le moteur est reparti. Je mets où? Dans la marée de l'autre côté. Ça marche. Oh putain. Je sais pas où je peux ressortir. On va quadriller le périmètre. On a eu notre lot de surprises pour aujourd'hui. Vas-y, mais c'est trop chiant, je peux pas sortir en fait. Comment ça tu vas jeter un œil? Bah je suis mort. Hein. Je suis mort là, clairement. J'ai plus d'air. Il est allé dans l'eau l'autre? Court. Attendez, mais il se téléporte. C'est pas possible sinon. Je vois rien du tout. Putain, mais il fait des demi-tours. Frère, marche tout droit. Comment il se déplace? Personne fait ça, gros. Ok. Il est décidé à me faire chier. Bah écoute, je t'attends. I'm waiting for you. Merde. Bon là j'ai fait du bruit en théorie. Non même pas. Ok, comment faire? Comment faire? Parce que lui, clairement, il va faire que ce chemin-là. Oh, j'avais pas vu ça. Sympa. J'apprécie le geste. Ça nous fait toujours une balle. Je prends, moi, écoutez. Ah, tu me donnes des balles, je prends.
On peut se tenter un truc en mode sniper élite. Ça se tente, mais 4, j'ai que 3 balles quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je tente. Putain, allez, le beau jeu quoi. Ok. On a tenté quelque chose. Mais regarde, maintenant ils sont à droite. Je les entends à droite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si je remonte là? Ah, je peux pas. Ils sont partout. Ils sont trop forts. On la tient dans l'eau. Quoi, c'est là? Remonte. Mais gros, arrête. Putain de super héros à la noix là. Et là je peux pas remonter en plus. Vas-y, fais vite, fais vite. Remonte. Allez, on bouge. Et je peux pas tirer dans l'eau, moi. Évidemment, je peux pas tirer dans l'eau. Putain de merde, je suis bloqué ici. Mais nage plus vite aussi, Ellie. Je t'aime bien, ma soeur, mais... Et merde, comment je fais, moi? Ah, mais j'ai plus d'air. Hein. Je suis mort. Hein. Je peux rien faire en fait. Quelle est cette putain d'idée qu'ils ont eue de me faire passer par là? Allez, on va soigner. Regardez ça, ils sont là-bas. Alors que tout à l'heure, ils étaient à gauche. Ils se téléportent, moi je te dis. Je vois que ça. Et là, ils ont disparu. Oh merde alors. Surtout que je sais pas où je dois aller. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi t'es pas avec tes potes? Merde! Mais jette sur lui! Putain de conne! Putain de jeu de merde là! Ça me fout les boules! Le jeu est bien, le jeu est bien. C'est moi qui suis mauvais. Où elle est passée? Regarde ça. Trouvez où elle se cache. Quelqu'un d'autre? Il en reste un. Fais une tour sur le côté. Tiens, encore une. Tire-lui dessus. Putain, t'es là, toi? Ah, mais merde. Je suis dans la merde, gros. Qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai plus une seule balle. La musique est trop bien. Ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'on peut pas l'éliminer. Débusquez là.
Allez, monte. Allez, monte. S'il te plaît. Putain. Merde. Ah ouais, bah oui. Ils m'entendent quand je fais plouf. Ces putains de génies. Ah ouais, et je perds de la vie en plus. Oh putain! Oh encore? Non mais gros, il a dit vous quatre. Vous allez là-bas et nous on reste ici. C'est pas possible, vous étiez combien? On va se soigner. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous proposer pour l'instant. Parce que les mecs ne droppent pas une seule balle. Donc ça fait plaisir. Ah voilà, une balle. Il suffisait de demander. Bon, les deux là-bas restent relativement statiques. Ok, fais voir. Ils sont où là? Ils sont à ce niveau là. J'ai pas de visuel. Mais oh là là! Évidemment, ils m'ont repéré, non? Tiens! Ah si, c'est bon. Je croyais qu'il y en avait plus qu'un. Est-ce qu'on peut te fouiller, toi? Non, et toi? Non. Attends, me dis pas qu'il fallait juste aller ici. Derrière cette porte. Ce serait trop, non? Ce serait gaguesque. Non, on peut pas le voir d'ici. T'as la voix? Parfait. Personne l'a trouvé? Non, personne. Mais viens me chercher, s'il te plaît. Viens, viens me chercher, je suis perdu. Ah d'accord, en fait, ils passaient par en haut. C'est pour ça qu'ils allaient si vite à gauche et à droite. Oh, c'est... C'est vraiment Looney Tunes. Bah écoute, plus qu'à attendre qu'ils viennent. Qu'on se mette bien. En fait, ce qui est dommage, c'est que ce truc-là, on peut pas le lancer. Au contraire, à l'inverse des grenades à ciseaux, là. Et les deux vont rester ici, en fait. Il faut que j'y aille. On va attendre qu'il fasse son retour. Vas-y, le retour du roi, on te regarde. Qu'est-ce que tu me fais ? Tu tapes des pas de danse là en fait? Gros, y'a rien à vérifier là où t'es. Hein. Tu t'en doutes. Ah! Il fait des belles feintes. Une trace d'elle. Allez, où est-ce qu'elle est? Rien dans cette zone. Gros, c'est pas possible, qu'est-ce que tu surveilles là? Voilà. Et toi, t'es où? Hein, t'es là-bas? Quoi? Encore? Non, parce que c'est pas que j'ai plus de balles. C'est juste que j'ai plus de balles. Et je suis désolé, j'adore l'arc. Mais alors... Oh mais putain, vous êtes combien? Je vais jamais m'en sortir. Quelqu'un a dû réussir à passer. Là-haut. Quoi? Et ouais, toi tu prends 3 cartouches en plus.
Ok. On a un petit moment de calme. On va se prendre du soin. Mais en fait, le truc, c'est qu'eux, ils connaissent les lieux. Moi, je suis comme Ellie, je les connais pas. Du coup, c'est la merde. Ok, vous êtes deux, c'est ça ? D'accord. Je pensais qu'il allait donner plus d'infos. Mais pas du tout. Bah écoutez. Ce qui est fort plaisant, c'est qu'en fait... j'avais entendu des avis comme quoi, en fait, on pouvait juste rusher directement à l'endroit... où la suite de l'histoire se déroule. Bah c'est pas trop le cas. Hein. Enfin, moi je connais pas du tout les passages. Peut-être qu'au bout de plusieurs let's play, je saurai par où passer, du coup, ce sera aisé, caramel. Mais là, c'est pas le cas. Bon, ça doit être là, c'est allumé. Tu vois quelque chose ? Mais qui m'a vu ? C'est moi qui rêve, là. Comment tu me vois, gros ? Ok. On recharge. Putain, ça fait déjà 50 minutes. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Je suis pas très très rapide. Est-ce qu'il faut vraiment tout nettoyer ? Parce que sinon, on se la joue en mode fusil. Hein. S'il faut vraiment tous les tuer pour prendre le bateau... Il est où l'autre ? Ah, il est là. Il veut pas sortir, hein. Gros, je sais où t'es. Je sais où t'habites. Ah non, t'es plus par là. Vas-y, on va te faire genre, on est là-bas. Non ? Tu veux pas ? Bon, est-ce que ça passe à travers ? Apparemment pas. Je suis un peu désolé de l'apprendre, je dois bien l'avouer. On va trouver un autre angle. Ah, il se met à bouger. Il a juste perdu son chapeau, c'est une blague ? Encore ? Bon. D'accord. Le bateau. Fallait tout nettoyer. Eh bien écoutez, on va s'arrêter ici pour... attendez, c'est le 19e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Moi, je vous dis à très très vite. Abonnez-vous en mettant la cloche, surtout c'est très important. Allez, ciao ciao !